Salut tout le monde, c'est Lucas. On se retrouve à la vidéo du coup sur les 8Z System, le retour pharamonique de ces émissions super drôles. Donc, du coup, il y aura pendant cette saison, il n'y aura pas de musique de trucs particuliers parce que, quand même, hein, j'ai pas très envie de mettre la musique copyright parce que sinon je vais me taper des strikes chaque jour. Donc, du coup, ce qu'on va faire. Donc c'est parti, regardez-moi ce bobo, ok. Donc je vais chercher mon fond blanc, il est là. Bon, là on le voit, c'est plus une feuille de papier dans une déchiqueteuse, mais vous voyez le délire extrêmement mal placé. Bon, pour ce premier épisode, on va faire normal, quoi, en gros un truc classique, voilà. Voilà. Salut la compagnie! Ça faisait longtemps, hein, les gars, ça faisait plus de 3 mois qu'on s'est pas vu. Oui, 4 plutôt pour être précis. Mais quand même, ça faisait quand même longtemps. Alors donc, pour expliquer un peu l'histoire, parce que quand même c'est un peu une histoire un peu post-game, c'est que Madame Larec vaincue avait un plan. C'était de nous jeter, on nous tège littéralement des visées de système d'une façon ou d'une autre. Déjà, premier point. Déjà, premier point, il nous a balancé un éclair en pleine gueule, donc on a perdu tous nos niveaux. Donc on est repassé au niveau 1, littéralement. Donc du coup, le seul moyen pour revenir au moins au niveau 100, c'était de faire n'importe quoi en boucle. Voilà. Merci bien, hein, pour le porte-monnaie. Voilà. Donc aussi, il y a beaucoup d'ennemis dans ces visées de système aussi, parce que quand même, il y a pas mal d'ennemis. Aujourd'hui, on fait un peu normal en soi, parce que ça faisait hyper longtemps qu'on s'est pas vu. Donc, vous voyez aussi qu'on a des trucs. Voilà, qu'on a beaucoup d'ennemis. Hein, si vous voyez en bas de votre écran, vous avez les nombreux ennemis des visées de système, notamment les yokai, hein, qui sont les principaux ennemis de la série. Et comme d'autres ennemis, il y aura le retour de Général Vlok. Il y aura 6 autres ennemis, 5 autres ennemis dans le coin, dont des lapins crétins, des robots en tout genre et un Lupin Valkyrie. Et vous pouvez vous rendre compte que Madame la Règle sera dans les visées de système comme ça. Donc dans le post-game, il sera là. Mais en mode beaucoup plus vénère, hein, c'est pas comme Dark Vador, hein, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà, hein, pour ces petites présentations. Mais on va ramener les autres parce que quand même vous attendez tous à quel point que vous êtes des vous attendez tous qu'ils reviennent et ben les voilà. Oh, mon bois. Il m'en manque plus qu'un, il est où? Il est où? Il est là. On va tous les retourner parce qu'on voit pas. Bon, les gars, du coup, on est tous revenus niveau 1. Donc, du coup, on n'a plus d'attaque, plus de défense, plus de vitesse. On est hyper lent comme un sac, littéralement. Mais on a juste. Dieu nous a fait un cadeau il y avait quelques jours, hein, apparemment. Hein, c'était un truc assez surprenant. Hein, vous les avez vus dans l'onglet communauté, hein, n'est-ce pas? C'est que, en fait, on a gagné des pouvoirs élémentaires. Voilà. Donc, ça, c'est, ça m'a l'air assez bien. Attention, il y a un ennemi qui va apparaître en face. Parce que quand même, il faut faire un combat de tutoriel, voyons donc. Un petit tutoriel. Babouin! Wesh, t'es qui, toi? Tu m'as fait peur. Babouin. Bon, je ne comprends rien ce qu'il dit, mais je crois qu'il nous dit de faire un combat de tutoriel. Donc vous pouvez vous taire, hein, parce que moi j'en ai pas besoin. C'est un combat de tutoriel. Hein. Tout, 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 tout. Ok, un combat de tutoriel. Tout, 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 tout. Voilà, donc là, voilà, Super Nick, c'est là. Donc c'est parti, combat de tutoriel. Ok, donc du coup. Donc là, ah ouais, on a une barre qui se recharge et tout. Ah ouais, ça va être chaud. Bon, déjà, on peut attaquer au fur et à mesure, donc comme Mario. Ping, 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 tout. Ah ouais, ça fait mal. Bah, bah, bah. Bah. Glisser son écran pour esquiver. Pouf. Nice. Ok, donc là, je vais utiliser une autre attaque.
Ah ouais, ça fait mal, hein. Après, c'est pas assez énorme parce que Nick, c'est comme il voit, mais. Ben, bois! Bois! Lapin crétin augmente son attaque. Ah oui. Oh ouais, d'accord, comme ça. Alors que c'est juste un mec au niveau 1. Ok. Bon, on va essayer de buter parce que ma barre est rechargée. Voilà, j'ai gagné. Ce Super Nyx a gagné 4 niveaux. Il a appris une nouvelle attaque. Une attaque de type glace. What? Une attaque de type glace, comment ça? Il a débloqué vent glace. Merci. Merci bien. Le combat est terminé. Ok, il rigolait pas ce truc, mais au moins j'ai compris comment ça marche tous ces combats. Donc du coup, pour faire simple, donc dans les visées de système, parce qu'aujourd'hui il n'y aura pas de combat, c'est juste ce petit combat tutoriel, c'est que en gros tous les ennemis seront assez forts. Parce que, en tout cas, dans l'équipe, en soi, on est tous niveau 5. En tout cas, à part tous les 5 niveaux, on gagne une nouvelle attaque. Donc ça fait plaisir. Et ça, mais on peut pas évoluer, donc ça c'est assez dommage. Ok. Ok. Non, il n'y aura pas d'autres ennemis, ne vous inquiétez pas. Hein. Il n'y aura pas un deuxième combat, il faut pas abuser. Bon, voilà. Donc du coup, vous avez compris maintenant comment marche Wizard System. Donc du coup, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et à Fuchichichang. Ok. Bon, ok, c'était vraiment débile, mais vous avez compris comment ça marche. Du coup, chaque jour, on fera des visées de système de cette façon. En soi, bon, comme ça, là, on va essayer de faire des fights, etc. Donc, c'est un peu comme un jeu de baston, quoi. C'est un peu comme Backstone Storm BM, mais d'une façon plus facile, quoi. Donc, du coup, c'est la fin de cette vidéo de visée de système qui était assez courte et assez nulle en même temps. J'espère que vous aura plu. On se retrouve demain pour l'épisode 2. On verra est-ce qu'il pourra battre plein d'ennemis, ce petit gars. Et n'oubliez pas, info Chichi Chang. Tchuss!